Salut, c'est Sarah de Beauté et aujourd'hui je viens vous parler d'une box beauté pour ne pas changer de ce qu'il y a en ce moment sur YouTube. Mais c'est ça. Donc c'est Beatrice, vous voyez c'est beaucoup plus gros que les autres box. Et je trouve que le concept est un peu plus ingénieux. Dans la mesure où vous choisissez la box que vous voulez, en fait chaque mois il y a des box thématiques qui sont faites. Donc ça peut être soit par rapport aux cheveux, soit pour les hommes, soit maman et bébé, soit là il y en a une, beauté d'hiver, etc. Donc c'est des grosses box où les produits sont full size et autour d'une thématique que vous avez choisie. Donc en l'occurrence moi on m'a envoyé celle pour les cheveux. Donc c'est une boîte où il y a 9 produits capillaires. Exclusivement pour les cheveux, des produits de toutes sortes et ça je trouve ça cool. Donc je vais vous montrer brièvement ce qu'il y a dedans et vous dire un peu ce que je pense dans la mesure où j'ai utilisé seulement une ou deux fois chacun et qu'il y aura sur mon blog une revue spécialisée pour chaque produit plus approfondi une fois que je les aurai utilisés plus longtemps. Je commence avec vraiment le produit que j'aime le moins, c'est un shampoing bio à l'aloe vera pour tout type de cheveux. Et il est censé apaiser, il est très doux ceci dit, hydratant, adoucissant, etc. Bon, c'est de la marque verte et comme tous les produits bio je trouve qu'il pue mais c'est une horreur. Enfin, ça doit sentir l'aloe vera mais mon dieu que ça pue quoi, c'est horrible. Bon après c'est un shampoing mais je trouve que ça enlève un petit peu le charme quoi. Les produits bio je sais pas pourquoi ils estiment que comme ils sont bio ils ont pas besoin de faire des efforts sur le glamour mais... Moi j'aime bien les shampoings qui sentent un minimum bon quoi. Bref. Ensuite on a un autre shampoing que là je n'ai pas utilisé, que je vais donner certainement à ma sœur. Parce que donc c'est de la marque Alpha Cèdre. Et c'est pour cheveux très gras et démangeaisants. Ce qui est pas du tout mon problème. Donc du coup je vais donner à ma sœur qui a les cheveux un peu plus gras que moi. Et elle donnera son avis. Et je ferai en sorte de faire un petit transfert vers mon blog. De manière à ce que celles qui ont les cheveux gras puissent savoir ce que vaut ce shampoing. Donc ce shampoing vaut 11€. Et le shampoing bio qui pue, il vaut 12€. Sinon, je trouve qu'il est très bien. En effet, il est très doux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, au niveau après-shampoing. Alors, il y a un après-shampoing pour cheveux très secs de chez Natura Brasil. Alors, c'est une marque que j'apprécie. Et surtout qu'il sent très bon. Alors ça pour le coup c'est cool. Et donc là c'est l'odeur castagna, c'est une de mes odeurs préférées. Et ça sent vraiment trop bon. Alors ça. Et en fait j'avais des a priori parce que je trouve que les après-shampoings ne nourrissent pas les cheveux suffisamment par rapport au masque. Et en fait c'est faux parce que lui il m'a les cheveux vraiment très doux, facile à démêler. Et surtout ça sent trop bon et l'odeur reste dans les cheveux après, genre là ils sentent. Donc c'est trop cool. Et vraiment ça j'aime beaucoup ce shampoing qui coûte 12,50€. Donc c'est que des full size hein, 300ml là en l'occurrence. Ensuite on a des soins. Alors on a un masque de la marque Coiffance, masque nourrissant cheveux colorés, Coiffance professionnelle, et qui vaut 15,50€ pour donc il est sans parabènes hein, pour celles qui sont un petit peu bio addictes. Et c'est 150ml. Donc lui aussi il est très très doux. Et je trouve que par contre peut-être qu'il laisse pas assez les cheveux suffisamment démêlés, je sais pas. Je le trouve peut-être pas assez nourrissant ou assez adoucissant, je sais pas. Mais en tout cas il est très agréable, il sent très très bon lui aussi. Et bon voilà, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai fini à bout. On a un autre truc que je connaissais pas mais que je trouve trop bien. C'est tout petit. Et donc c'est une cure soyeuse bio silk. Donc c'est de la soie sans rinçage. Ça se présente comme ça. C'est vraiment tout petit. Vous en mettez quelques gouttes dans vos mains et vous le passez. Et ça fait vraiment... Déjà ça sent trop bon. Et en plus ça fait vraiment genre tout doux. Les cheveux sont brillants. Enfin moi j'adore, enfin petite découverte. Et ça coûte 5,25€. Donc voilà, pour 15ml. Donc c'est très petit. Ensuite on a la Mythic Oil que j'adore de L'Oréal Professionnel. Donc ça je l'ai déjà en... J'avais déjà un pot que j'avais acheté chez le coiffeur.
Mais en l'occurrence, je suis bien contente d'en avoir une en stock parce que je l'adore. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de cette huile. Elle est vraiment, vraiment trop, trop cool. Et donc, elle coûte 23 euros. Mais ça dure très longtemps. Et ça dure hyper longtemps, c'est vrai, parce que on utilise le pot avec ma mère et il descend vraiment, vraiment très, très, très doucement, quoi. On a un autre spray sans rinçage qui est de la marque Fabio Salsa, qui est censé protéger la couleur et faire briller un petit peu les cheveux. Donc c'est un truc en deux faces comme ça que vous secouez. Et ça sent aussi très très bon, c'est très agréable. Ça laisse vraiment une brillance aussi sur les cheveux. J'aime beaucoup, dommage que ça fasse pas protection de chaleur, je trouve. C'est le seul truc que je trouve bof bof. Donc 16,50€ ça coûte pour 100ml. Et ensuite, on arrive à la fin, on a des compléments alimentaires de la marque Forte Pharma, donc pour qui sont anti-chute de cheveux, fortifiants, etc. Donc je les ai commencés. Écoutez, on verra bien. Je vous dirai si mes cheveux sont plus résistants et si j'ai moins de chute de cheveux. Et ça, ça coûte cher en général. 14,90€ la cure de 1 mois, à raison d'une gélule par jour. Et ensuite, on a une brosse de ces deux anges, une brosse de brushing. Vous avez, elle a une forme un peu ovale, vous voyez. Et il y a un côté en poil, quoi. Et un autre en picot en plastique. Elle est pas mal. Alors moi, je vous cache pas que je me fais jamais de brushing et que je préfère les brosses grosses et plates, genre carrées, là, enfin rectangulaires. Mais je trouve que, enfin, elle chauffe très très bien les cheveux et on peut facilement tirer dessus avec le sèche-cheveux, vous voyez, tac. Ça devient assez facile. Surtout que, donc par contre, je préfère le côté en poil que le côté en picot en plastique que je trouve assez difficile. Mais ma foi, si vous êtes adepte du brushing, ça peut être une brosse sympa qui est donc qui coûte 12,80€. Donc tout ça, ça fait un total de 123€ pour la totalité des produits, donc pour 9 produits cheveux. Et c'est une box qui coûte 33€. Donc c'est très intéressant, vous faites une sacrée économie. Je trouve que c'est intéressant dans la mesure où vous choisissez la box que vous voulez recevoir et les produits qu'il y a dedans. En l'occurrence là, vous choisissez d'acheter la box capillaire. Et tous les produits sont indiqués sur le site, il n'y a pas de surprise. Pour la box hiver, il y a de la crème pour le corps, des trucs un peu cocooning, etc. Enfin bref, chaque box vous correspond, c'est vous qui l'achetez. Maintenant, c'est sûr que dans une box cheveux, là, il y a 9 produits. Il y en a qui me conviennent pas à moi. Je pense notamment au shampoing pour cheveux gras. Et puis peut-être la brosse brushing, mais ma foi, je m'en suis servie. Donc, c'est peut-être un petit peu pénible ça, mais ceci dit, moi, ça me dérange pas dans la mesure où je vais le donner à quelqu'un et que tout le reste me convient très bien parce que j'ai les cheveux méchés, j'ai les cheveux très secs et donc voilà. Bref, je trouve que ce concept est très bien. Allez faire un tour sur le site. Donc c'est des box en effet qui coûtent un peu plus cher que ce qu'on trouve chez Glossybox, Jolibox, etc. parce que c'est 33€ la box. En attendant, vous avez une énorme box avec seulement des produits full size. On parle pas d'échantillons, on parle de vrais produits de taille normale. Et beaucoup de produits, en l'occurrence ça, il y en avait 9. Dans la box hiver, il me semble qu'il y en a des tonnes aussi. Là, dans celle de beauté d'hiver, il y a 18 produits. Donc voilà, c'est très intéressant, moi je trouve personnellement. Vous avez vraiment l'impression que c'est Noël quand vous ouvrez. Moi je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça. Et en plus les produits choisis sont très très bien. Vous avez de tout, du professionnel, du bio, du parapharmacie. Bref, et tous les produits sont assez variés. Des compléments alimentaires, des shampoings, des après-shampoings, des masques, des brosses, des soins sans rinçage. Donc c'est vraiment vraiment bien choisi je trouve. Et vraiment vraiment j'ai été très agréablement surprise et c'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle et je trouve que l'économie est assez intéressante. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos sur les produits en question que j'ai cités, allez faire un tour sur mon blog et j'en parlerai quand je serai en mesure de donner un avis adéquat. Et c'est tout, enfin allez faire un tour sur le site bitrousse.com
www.ecoso.com. Donc je vous mets le site juste ici. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est vraiment vraiment une très bonne idée pour se démarquer des autres box beauté qu'il y a sur le marché. Je trouve que ce principe de trousse thématique que l'on peut choisir, et chaque mois ça se renouvelle, et c'est particulièrement cool, je trouve. Donc je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Salut.